moins pas déstabiliser. Parce que moi, c'est moun qui écrit, qui m'a dit pour FBI et Vinla, pour nous jouer un support colombien. Moi, pas décourager. Nous pas qu'à déstabiliser. Complot à gros, il y a un pile moun là-dedans. Pas bouiller pisse là, parce que moi-même, c'est assassiné pour assassiner. Ou bien faut qu'enquête là aboutisse. C'est ça seulement que je suis capable de dire. Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan, et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Audition. J'aime dire encore, DGPNH là, avant, ben non plus de détails. Dans un petit moment. Père Haïtien, nous-mêmes, cap gardem, et tandem, dans un moment, m'a dit nous, moins déterminés pour enquête l'avancée. Bien pile diversion qu'a fait. Bien pile pisse, y a tenté bouiller pour pas jouer un bon genre résultat. Mais c'est preuve d'où nous sommes bon route pour permettre au président de la justice. L'ennemi est en pile. Complot à loup. Mais nous pas fait bac. Nous pas fait bac. Assassin, vous comprenez, vous avez fini tout le président Jovenel. Toute l'autre autorité t'a couru. Vous comprenez. Vous avez fini tout le président Jovenel Moïse. Toute l'autre autorité t'a couru. Et puis vous-même, vous avez bien temps. Temps pour effacer indices. Indices sur scène crime. Et puis nettoyer yo avant de chaper pour lui. Bien compté, mal calculé. Eh bien, grâce à la vigilance police nationale, là, grâce à l'intelligence population, là, nous croyons. Et nous prenons en pile dans nous, comme nous connaissons. Nous continuons à poser des questions, continuons à chercher l'autorité intellectuelle criminelle, traîner la justice pour nous payer ça nous fait. Il y a deux choix. C'est soit vous assassinez, même Jean, vous assassinez le président Jovenel Moïse, c'est soit vous quittez l'enquête là, rivé dans le bout. La police là, mobilisée, pas seulement police judiciaire, pas seulement les enquêteurs de la police judiciaire, mais c'est toute la police là qui est mobilisée pour continuer à chercher tout le monde qui était impliqué de près ou de loin dans l'assassinat du président noir. Jean Zil, il y a deux niveaux d'enquête qui est lancée. L'enquête administrative qui est faite au niveau de l'inspection générale, côté nous mettons en isolement 5 policiers, il était 4. Hier soir, il y a un autre policier que nous plaçons en isolement. Donc j'ai suffisamment d'éléments pour nous placer dans l'isolement. Gagner 24 mesures conservatoires, ça c'est au niveau de la police, et l'inspection générale a continué tendre tout policier qui était de service, tout policier qui de près ou de loin ou un rôle pour être joué, qui était pour empêcher sa fête, il n'est pas fait. Donc l'inspection générale a continué de faire travailler. Au niveau de l'enquête judiciaire, qui a fait avec police judiciaire, nous avons des informations déjà, nous avons renouvelé, nous avons gagné 18 assaillants qui sont sous contrôle, en détention dans la police, là. Nous avons 3 qui sont tombés,
et nous avons 5 ressortissants haïtiens américains que nous appréhendons. Nous travaillons soit au niveau interne, externe, pour nous, avec collaboration des agences internationales qui spécialisent dans ça, l'enquête judiciaire, le FBI, Interpol et l'autre entité qui l'a présent sous terrain pour nous analyser tous les éléments corps du délit que nous jouons pour nous retracer, remonter à hauteur intellectuelle. La police a déployé, surtout avec information que nous jouons de population, on a remercié la population qui comprenne nécessité, urgence pour nous joindre tout le monde qui te fait ça que ça. Et nous avons commencé la jalousie. Nous continuons toute semaine. Et jusqu'à ce matin, nous avons reçu l'information de la population. Nous encourageons dans ce sens pour que tout élément qui nécessite le plus vite que possible. L'enquête se poursuit. L'enquête ne va pas s'arrêter. L'enquête va se poursuivre tous les jours. Jusqu'à ce que nous joignons et nous commençons à joindre et nous avons indicié et nous avons précisé. Ce n'est pas Léon Charles qui va déterminer que l'enquête l'a fait, mais ou pas. C'est les indices qui vont nous indiquer, dans quel sens. Nous ne pouvons ni à droite ni à gauche, nous avons été nommés jusqu'à ce que la famille présidentielle, président Jovenel Moïse, je veux justice. Au niveau pour organiser funérailles à lui-même, gagné comme le premier ministre en soit dit, Lyon, comité qui te mettait sous pied. Comité a gagné différents ministères là-dedans, différents ministres. Ministre des Affaires étrangères, qui lui-même c'est premier ministre, ministre culture et communication, ministre intérieur et collectivité territoriale, ministre défense, directeur cabinet de la présidence de la République, secrétaire général présidence, directeur général MUPANA. Et a décret ça, a arrêté ça, pardon, gagné et trois autres entités qui a ajouté, c'est le ministre de la Justice qui l'a, le ministre des Finances et le secrétaire général de la primature. Tâche principale comité ça, c'est pour organiser funérailles là, et dans le cadre de la loi et en accord aussi, en harmonie avec la famille. Bien entendu, jeudi en 16 juillet, jeudi en c'est vendredi, comité ça que nous mentionnons dans arrêté, hein, qui paraît avant hier, 14 juillet, comité installé tout 14 juillet. Et donc 14 juillet, c'était le premier jour côté nous commencer le travail. Donc on a eu deux journées d'activité. Nous avons gagné une journée immédiatement après et installation, nous travaillons le 14, nous travaillons le 15, nous faisons deux journées de travail de planification. Et journée de planification, ça y est, amenez-nous à poser les actions suivantes. D'abord, nous créer un comité exécutif en dedans. Et donc qui pour atterrir toute décision pour le prendre. Donc il y a là-dedans environ 3 à 5 membres. Donc c'est des mondes très opérationnels, très fonctionnels qui font partie du comité ça. Et puis nous gagnons tout, il y a une cellule logistique qui dans l'immédiat supposé à faire évaluation site pour funérailles la fête là. Et peut-être que nous tous qui là, nous besoin qu'on ait un seul bagage, mais avant de nous arriver sur seul bagage, nous besoin qu'on ait un, nous avons dit que nous gagnons un agenda d'activité qui donne trois dates, et à partir de deux journées de travail, nous avons fait trois dates, c'est le 20 juillet, c'est le 22 juillet et le 23 juillet. Le 20 juillet, c'est une journée. Côté gouvernement, il faut rendre hommage au président de la République, Jovenel Moïse, qui a assassiné. Donc ça, c'est le protocole du Palais national qu'a organisé au musée du Panthéon national. Donc il va y avoir un agenda général des activités. Le 22 juillet, c'est la veille. Et le 23 juillet, c'est le jour des funérailles. Et les funérailles du président de la République, Jovenel Moïse, seront chantées selon les vœux de la famille. Selon aussi les vœux de la loi, ce qui est assez paradoxal parce que nous travaillons à partir d'un décret qui était sorti, qui était signé le 11 mars 2020. Et dans ce décret du 11 mars 2020, il y a gagné décret s'arrêté, décret fixant les règles relatives aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. Décret a été signé le 11 mars 2020.
Et décret a été prévoit en ces articles. En ces articles 32 et 36, toute action que nous commençons à poser et nous allons poser. Article 32, il fait référence justement au décès du président de la République, ce qu'il faut faire. Article 36, lui-même l'y dit, et m'a pris pour vous, et 35 d'ailleurs, tout ancien président de la République a droit aux funérailles nationales. Donc voilà. Et 36 dit, les cérémonies publiques sont organisées sur instruction du gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique. Les instructions du gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quelles autorités et corps constitués seront convoqués ou invités à ces cérémonies. Ceci dit, pour finir, nous allons gagner une note officielle qui a fixé officiellement date là, à l'heure, et Jean l'y prévoit dans le décret. Et nous-mêmes, nous avons continué à faire travail. Nous gagnons une cellule logistique qui a fait aménagement pendant que nous parlé là, sous site, espace et côté funéraire après le fait, comme on dit nous, en accord, en harmonie avec la famille du président Jovenel Moïse et avec la loi. Et nous rappelons même sous parole tout gouvernement là, par tout ministre là, c'est tout le gouvernement, tous les corps de l'État, comme c'était prévu d'ailleurs dans la loi, qui engageait pour bail président Jovenel Moïse. Yon funérailles, comme ça doit, je vous dis en créole, j'en le mérite. Les funérailles, et j'en me dis tout à l'heure, la paix chantée le 23 juillet au Cap-Haïtien. Il y aura un acte administratif qui a fixé, mais précaution, je ne vais pas préciser, c'est parce que nous avons encore, parce que parmi ces deux jours de travail nous fait, nous avons encore d'autres réunions importantes avec la famille. Et pour nous, l'important, c'est chaque fois un problème de nous travaillons autour de deux documents. C'est le principe de la famille et la loi. C'est deux bagailles qui guident nous. Maintenant, c'est au Cap-Haïtien, selon les vœux de la famille. Donc, on a besoin que famille, dans le week-end, on a besoin d'autres rencontres qui ont fait parce que nous pas campé, qui fait que nous pourrons fixer pour vous bon, plus de détails. Mais pour le moment, les funérailles se tiennent officiellement, les funérailles nationales se tiennent selon le décret article 36, dans le nord, au Cap-Haïtien. Mais à Port-au-Prince, on aura une journée de cérémonie d'hommage au président de la République. Moi, estimé, n'est-ce pas, que le journal et Noticias Caracol, là, l'État est trop sérieux pour y entrer dans une dynamique diffamatoire. Par exemple, moi-même et Claude Joseph, en novembre 2020, je suis Premier ministre. Alors que l'article-là cité comme Premier ministre, novembre 2020, et je pense que ça, c'est on va pour nous et rejeter. Et ensuite, ça qui est important, c'est que la police nationale avec la police colombienne rejetée en bloc. Et on est capable de dire accusation, ça y est. Mais ça qui est important, c'est que moins pas déstabiliser. Parce que moi, c'est Moun qui écrit, qui m'a dit pour FBI et Vinla, pour nous jouer un support colombien. Moins pas décourager. Nous pas qu'à déstabiliser. Complot à gros, il y a un pile monde là-dedans. Pas bouiller piste là, parce que moi-même, c'est assassiné pour assassiner, ou bien il faut qu'enquête là aboutit. C'est ça seulement que je suis capable de dire. Enquête là pas aboutit, là pas aboutit, si nous voulons assassiner, m'assassiner, mais si attaque sur caractère, ça yo, yo pas marché parce que je suis forcé. Depuis le président mouri 7 juillet, je suis campé avec le conseil ministre d'EM, avec le secrétaire d'État d'EM. Jour et jeudi, avancer. Nous pas qu'à assassiner caractère, nous qu'à assassiner, mais avancer, enquête là doit aboutir. Moi minimiser environnement, nous minimiser totalement question caracol là. Nous minimiser cependant. Et nous penser que l'est pas capable continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on me dit un bon matin levé et sûrement avec support comploteur. Eh bien, il y a bouillé pis là. Donc, nous pensons que les médias, nous gagnons des démarches pour nous faire bon côté parle. Mais je dis nous clair que ça n'a pas affecté du tout. Parce que moi, je connais que Jean de Bagay ça a venu. Parce que moi, trop intéressé à l'enquête là. Et il faut que l'enquête là aboutisse. Il faut que nous jouions.
un jour qui est inoubliable, négativement dans mes mémoires peuple haïtien. Ce n'est pas possible pour un président de sacrifier le consacre. C'est une atteinte grave à la souveraineté nationale, à la dignité du peuple haïtien. À travers le président, c'est sa communauté, c'est son peuple qui est représenté, qui a été sacrifié. Nous, on t'a dit ça clairement que je parle d'un homme haïtien à l'Ouest, parce qu'on connaît bien que je ne suis pas président final encore, il faut éviter ça. Et, mais c'est membre, même pas président encore. Moi, dans nos magistrats dans l'Ouest, dans nos monde kafou, j'ai exprimé consternation, non, choc que nous prenons, nous très choqués, nous consternés, nous renversés, nous ravagés, nous révoltés par acte indigent qui peut être atteint à président de la République. Nos textes, nous avons fait sortir trois bagailles. Nous demandons, nous consternés, nous prenons les actes là, et sur les premières dames dans le propre établissement qui était grièvement blessé. Nous demandons pour la justice, la police fait travail, nous sommes contents qu'ils commencent bien faire, pour continuer bien faire. Nous demandons effectivement pour justice, bah, pour le président, même si l'autre monde était victime pour la justice, bah, pour gagner le règne de l'impunité. Ce n'est pas possible pour sacrifier un président comme ça. Nous indignés, nous révoltés, collectivité a révolté, ce n'est pas possible. Parce que nous sommes aussi des dirigeants. Ça fait qu'arriver nous, au niveau milieu, nous exprimons là, comme casier, comme magistrat, comme avec comme délégué de ville, comme ministre, comme député, comme sénateur. Personne n'a pas le droit de rejeter AXA et personne n'a pas le droit de demander justice. Le peuple haïtien a droit à la vérité sur ce qui est arrivé sur son président de la ligne du 6 au 7 juillet dernier. De sacrifier le président, l'inadmissible, nous dénoncer, nous condamner et nous demander justice. Le gouvernement prévoit funérailles nationales 23 au niveau association magistrale l'OSO. Qui ça? Est-ce qu'il y a une initiative qui apprend pour honorer mémoire président? Ça qu'a fait? Absolument, oui, absolument. Il y a commencé à faire une initiative, il y a une participation massive de la communauté des maires de l'Ouest et moi, j'étais finalement fait notre sortie tour pour participation tout magistrat. Nous avons encouragé magistrat côté OIE et pour participer, ça au café la caille pour faire pour capable d'honorer mémoire et président Jovenel. Nous vraiment et mobilisé sur ça. Et dans les yeux du possible, mais on connaît mes lieux qui ont plus de difficultés. Je dis, c'est 19 mois de dysfonctionnement. Et ça va vraiment un gros moyen dans mes yeux. Il n'y a pas carrément des moyens pour ça tous. C'est on, son président n'a pas honoré, donc n'a fait jamais capable. Nous mettons des magistrats ou ça. Mais il y a un mec qui commence à travailler, par exemple, mais pas au prince, c'est guitant, sur la jette de fleurs, n'a pas donné avec militants, avec autorité, pour faire des actions, participer massivement dans le funérail là. Franchement. Sont activables, jamais sortis dans l'histoire nationale. C'est oui. Vrai que je ne vais pas comparer le président Jovenel avec Dessalines, je ne vais jamais faire ça. Par contre, honnêtement, des actes, je ne vais pas oublier dans l'histoire. Il ne faut pas faire ça au président. Fait ça. Ouais, mais ça à un citoyen. Voir un président qui soit habité l'État sous dos. Ce n'est pas possible, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Ça, c'est indigne, mon peuple. Nous avons déjà analysé du monde, je ne vois rien. Tout haïtien qui vivent l'autre bord aujourd'hui, à mon avis, je dois être sous eux. C'est pas possible pour petit tout, madame, mon frère, soeur, à vivre bagaille ça. Mais c'est pas possible. C'est pas possible pour République. Un président pas mérité sans ça. Un président pas mérité, eh bien, on sort macabre, aussi macabre que ce qu'a connu le président Jovenel au cours de cette nuit funeste. C'est pas possible. Faut gagner justice, faut gagner la vérité sur question ça. Pour nous connaître qui est-ce qui fait, qui est-ce qui commandite, exécutant, yo, motivation, yo, et pour effectivement réintégrer ça, bannir un pays. L'autre bagarre encore, demandez pour nous faire des présidents, nous communions autour des présidents sur l'ensemble du territoire, avant même qu'ils ne parlent de l'autre bagarre. Exactement, nous demandons la texte en tout, pour politiciens, nous, yo, pour ceux des civils là, pour ces Sénat République là, mettez tête ensemble pour jouer un accord politique, parce que le pays n'a pas arrêté. On a trop enjeux, trop de problèmes au pays à nous gérer. On ne peut pas dire qu'il y a une solution. Tout comme nous disons, on ne peut pas avoir problème non seulement. Donc je dis qu'il faut un accord politique pour nous rejeter tentative internationale pour imposer nos solutions. Même des magistrats qui ont réveillé, qui ont été réveillés, pour participer dans le processus de refondation de l'État. Parce que ça fait, je dis, qu'il y a un problème nous en Haïti, c'est parce que la décentralisation n'est pas jamais effective. Mais oui. C'est ce qu'Azek n'a pas en capacité pour faire service. Tout le monde était sous Port-au-Prince qui n'est pas fini. Nous n'avons pas de moyens de récupérer Port-au-Prince encore. Il faut penser à Mélio, il faut penser à ce communal. C'est ça qu'on a dit, Jean-Guinée, qu'on a vu tout le temps, qu'on a vu tout le temps. On nous fait l'autre bagaille. On refonde Haïti en faisant de la décentralisation la composante essentielle. Parce que l'État, c'est faire service. Pour faire service plus bien, ce n'est pas les gens qui ont fait le travail, c'est collectivité.
faut que nous repensions ça, faut faire la industrialisation, hein, et puis une dorsale, et bien, du renouveau d'Haïti. C'est ça nous demande, ça nous dit. Chaque fois qu'on crise dans le pays, l'international a tenté de mettre une solution par et nous n'avons jamais une solution durable. Je dis là, c'est le moment où jamais, pour gagner une communion, pour gagner un accord politique entre les acteurs, qui fait des ambitions par eux, qui fait d'Haïti la priorité, la primauté, pour nous penser à Timoun qui parle à l'école, qui va pas aller, pour nous penser à l'État, à Moun Matissan, pour nous penser à Grand Sud qui est bloqué, pour nous faire des insécurités en élément fondamental dans l'agenda politique cabinien, pour nous combattre la pauvreté, pour nous créer la richesse, pour nous faire Moun vivre plus bien, pour nous faire image, citoyens haïtiens qui habitent en terre étrangère. Il y a un pile d'amis qui a dit magistrat Jude, pauvres élèves, qu'on dissipe moi qui était ensemble avec moi, qui a dit magistrat Jude, de l'autre bois, on a mangé de l'être parce que cet acte ignoble, lui participait, eh bien, la déconstruction, justement, eh bien, citoyenneté haïtienne, la solidarité haïtienne à l'étranger. Nous pas de fierté encore. On nous fait un sursaut patriotique, on oublie peut-être pas nous, pour nous faire un accord politique. Pendant qu'on a demandé mon opinion pour continuer justement à honorer le président Jovenel. Maintenant, et Carrefour, est-ce qu'il y a un débat spécial qu'a fait sur Carrefour? Non, effectivement, non, on continue à une réunion demain là pour nous garder qui ça nous doit faire. Et même par rapport à la question de sécurité, il y a des qui parlent de grand pile bandoule que nous allons déployer lundi, mardi, que nous allons confectionner de nous. Mais c'est vraiment une participation massive et vraiment massive de collectivité municipale Carrefour là, dans le funérail là. Et l'autre bagaille avec l'autre autorité, l'autre notable secteur privé, là, a essayé de concocter pour nous faire une action pour nous et pour nous honorer les mémoires. Moi, je demande pour la collectivité à debout, pour nous caléger, magistral en pays, pour nous caléger, pour pas une solution qui proposait sans yo, parce qu'avenir pays, c'est décentralisation des collectivités. Voilà. Bon courage à la famille présidentielle, toutes nos condoléances, Jean-Jovenel et Batmouri. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée. We'll be right back.